Chers amis, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le recteur et Monsieur le sous-préfet et chers collègues, donc nous allons ouvrir maintenant ce colloque qui va venir clore, enfin, qui est un peu le point d'orgue de cette année d'anniversaire de notre université, puisqu'elle a 20 ans cette année. Et donc nous avons conçu un colloque plutôt journée de réflexion, donc nous l'avons souhaité non officiel et non protocolaire, mais on l'a souhaité plutôt studieux, pour effectivement comprendre comment notre université est née, comment elle s'est développée, et donc prendre un temps de réflexion collective sur notre histoire. Et quand on fait un temps de réflexion sur son histoire, ben, en même temps, je dirais qu'on prépare son avenir. Je crois que c'est la meilleure manière de procéder. Donc, Monsieur le Premier ministre, nous sommes très heureux et très honorés de votre présence. J'ai bien dit honoré, mais aussi heureux de votre présence, c'est important. Vous pouvez revendiquer la paternité de cette université, puisqu'elle est née dans le cadre du plan Université 2000 en Île-de-France, en même temps que trois autres universités dites des villes nouvelles. Christian Forestier, qui est à la table, était à l'époque recteur de l'Académie de Créteil. Et Daniel Laurent, a accompagné ses premiers pas en tant qu'administrateur provisoire dans un premier temps, et Dominique Perrin qui va succéder comme premier président officiel, disons, de cette université. Donc, comme je l'ai dit, cette journée n'est pas une journée de commémoration, ce n'est pas une journée officielle, c'est une journée d'études, de travail et de réflexion. D'abord, ce matin, pour comprendre effectivement la manière dont cette université est née, la manière dont elle s'est saisie des missions et des objectifs qu'on lui avait assignés. Et donc, là aussi, vous êtes là pour nous éclairer sur les raisons de cette création. Et puis, nous aurons ensuite un moment de réflexion avec un historien, M. Vadelorge, et puis Bertrand Housset, qui est la mémoire de la Ville Nouvelle ici, sur l'histoire croisée de la Ville Nouvelle, de ce territoire et de cette université. Et je pense que c'est important parce qu'effectivement, U2000, c'était ça aussi. C'était aussi mieux comprendre les relations et faciliter et favoriser les relations entre les territoires et les universités. Et donc, d'où l'importance aussi de ce moment de réflexion historique sur l'histoire croisée donc, du territoire et de l'université. Et puis cette université a connu un virage majeur en 2007, donc avec la création du PRESS Université Paris-Est. Le premier président du PRESS est ici, Yves Lichtenberger. Et donc nous aurons le plaisir, en début d'après-midi, d'accueillir les présidents et directeurs des établissements fondateurs du PRESS pour nous dire effectivement comment à la fois ce PRESS s'est créé et ce qu'il crée de nouveau sur ce site. Et puis nous terminerons enfin par la présentation d'une enquête que nous avons confiée à des chercheurs de notre université concernant la vie quotidienne des étudiants. Il serait quand même paradoxal de faire l'histoire de l'université sans évoquer les étudiants. Et donc, effectivement, nous avons fait cette enquête pour comprendre leur vie quotidienne à partir de l'analyse de leur mobilité quotidienne, pour comprendre effectivement ce qui se passe lorsqu'on vient à l'université. Je peux vous dire que dans notre département, qui est un département effectivement assez vaste, les conditions de mobilité quotidienne des étudiants ne sont pas particulièrement faciles, et cette enquête va nous le montrer. Ce qui nous incite d'ailleurs, je dirais, à faire un effort tout particulier sur ces questions de logement étudiant. Donc en 91, nous étions dans une période de massification université et d'augmentation des effectifs étudiants. C'est bien dans ce cadre-là que le plan Université 2000 a été engagé. Et ce plan Université 2000 aussi avait pour objectif, mais ça sera rappelé par ceux qui interviendront maintenant, je dirais, de consacrer aussi l'inscription territoriale des universités. Et de fait, dans les années qui vont suivre, avec les contrats de plan État-Région, avec les schémas collectifs d'enseignement supérieur, les schémas régionaux, vont se développer ces relations. Et c'est un point tout à fait important, parce qu'effectivement, ça va être le début de ce processus effectivement de rapprochement entre universités et territoires. Puis dans une période qui va suivre, on va connaître, je dirais, un certain déclin de la demande étudiante, ce qui va effectivement conduire à une autre conjoncture, et donc à revoir un peu aussi, d'ailleurs, à la baisse nos objectifs de développement démographique, en tout cas, dans la période qui va suivre.
Ça, c'est un point aussi important parce que dans cette période, va commencer aussi ce processus un peu de captation des étudiants sortant du baccalauréat. Et donc, nous en sommes encore dans cette période où, effectivement, actuellement, les universités, il faut le rappeler, dans quelle que soit la région, occupent pas plus de 60% des étudiants qui sont en post-bac. Et donc, ça veut dire qu'une université qui se pense quelquefois un peu comme l'établissement central du post-bac ne l'est qu'à 60%. Hein. Ça dépend des régions, mais enfin, c'est entre 57 et 63% à peu près. Hein. Donc, il faut quand même aussi avoir ça à l'esprit. Et puis, dernier point, je pense que nous sommes dans la période actuelle, effectivement, avec un nouveau challenge, j'allais dire, entre d'un côté la volonté de constituer les universités, on le voit avec le PIA, comme des lieux centraux d'excellence scientifique et donc de développement de la recherche à un niveau élevé, et puis ce souci qui reste d'inscription de l'université dans son territoire et d'inscription de l'université dans un maillage territorial. Et donc on voit bien que notre université, d'un côté, est une université donc, qui est la première de France du point de vue du nombre d'apprentis et du pourcentage d'apprentis. 22% des étudiants d'université sont en apprentissage. Et donc, ça marque bien l'inscription université dans cette logique, effectivement, d'inscription territoriale et puis dans ce souci de l'insertion sociale. Mais en même temps, notre université compte, je dirais, une proportion extrêmement importante de publiants, puisque maintenant c'est un critère, et d'enseignants-chercheurs qui sont dans des laboratoires classés A ou A+. Ça veut dire qu'aussi, on revendique notre droit à l'excellence. Donc effectivement, notre souci, c'est de tenir ces deux exigences en même temps, et donc de ne pas se schiser. Et c'est un danger actuellement, effectivement, entre les universités de proximité d'un côté et celles d'excellence de l'autre. Nous souhaitons être les deux. Voilà, c'est quelques mots d'introduction pour vous dire quels sont peut-être quelques-uns de nos soucis actuels. Je souhaite maintenant ouvrir cette première table ronde. Et en vous remerciant une nouvelle fois, Monsieur le Premier ministre, vous cédez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Sous-préfet, Messieurs les recteurs et présidents, mesdames et messieurs les enseignants, les personnels de toute nature et les étudiants de cette université. Alors, je remercie Francis Godard, président de l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée, de m'avoir invité à participer au colloque organisé pour ses 20 ans. Vous aurez deviné qu'il s'agit des 20 ans de l'université, et non pas de ceux de Francis Godard, sur ce campus de la cité Descartes. Cette invitation n'est sans doute pas totalement injustifiée, puisqu'il y a 20 ans, comme ministre de l'Éducation nationale, dans le gouvernement de Michel Rocard, sous la présidence de François Mitterrand, j'ai été à l'origine de votre naissance collective. Je suis rassuré qu'il s'agisse d'une journée de travail et non de commémoration, même si mon intervention aura un caractère un peu commémoratif. Mais en tout cas, comment résister au travail quand on est retraité? J'ai été à l'origine de la naissance de cette université, mais vous, depuis, vous la faites vivre chaque jour comme lieu d'enseignement, de formation et de recherche. M'étant contenté de présider à sa naissance, je centrerai mon propos sur le contexte, les raisons et les conditions de la création de ce nouveau pôle de savoir, là où, semble-t-il, régnait la forêt et quelques champs cultivés. Christian Forestier, qui était à l'époque recteur de l'Académie de Créteil, et Daniel Laurent, qui fut le premier administrateur provisoire de cette université naissante, vous en diront davantage, et en tout cas vous diront comment ils l'ont vécu, eux, sur le terrain. Moi, j'étais plutôt dans la conception et l'impulsion. Le contexte, c'est qu'en 1988, dans sa campagne présidentielle, François Mitterrand
avait dit que l'éducation, la formation et la recherche seraient la première priorité de son second septennat. Une fois réélu, il m'a confié le soin de mettre en œuvre cette priorité comme ministre de l'Éducation nationale, et le symbole était là comme numéro 2 du gouvernement de Michel Rocard. Donc pendant 4 ans, de 88 à 92, je me suis efforcé de donner corps à cette priorité. C'est une période pendant laquelle le budget du ministère de l'Éducation nationale a pour la première fois dépassé celui du ministère de la Défense. C'est une période pendant laquelle les créations de postes se sont comptées par dizaines de milliers. C'est une période pendant laquelle nous avons tenté de rénover, d'étoffer, en tout cas en direction du monde universitaire, la formation des maîtres, comme l'on disait, avec la création des instituts universitaires de formation des maîtres. Tout ça résonne aujourd'hui, bien sûr. C'est une époque aussi où nous avons engagé une forte revalorisation de la condition enseignante. Dans l'enseignement supérieur, le défi était alors démographique. À la fin de la décennie 80-90, une forte poussée de la demande vers l'enseignement supérieur s'était manifestée. Ainsi, entre 1987 et 1990, 190 000 étudiants supplémentaires étaient arrivés dans l'enseignement supérieur. L'augmentation du nombre des lycéens autour de l'objectif fixé antérieurement à mon arrivée au ministère de 80% des élèves du secondaire au niveau du bac créait un effet mécanique de mouvement vers les établissements d'enseignement supérieur, et les choix qui devenaient ceux des jeunes et de leurs familles nous laissaient attendre une croissance continue sur 10 ans des effectifs dans l'enseignement supérieur. Or, les établissements d'enseignement, les cités universitaires, les restaurants universitaires, les bibliothèques universitaires étaient hors d'état d'accueillir dans de bonnes conditions une telle poussée. L'université française à l'époque, en 88, 89, 90, y compris d'ailleurs dans ses filières sélectives, était littéralement menacée d'explosion. Une solution, et je mets le mot entre guillemets, pouvait consister à introduire puis à généraliser la sélection à l'entrée à l'université. 2 ans auparavant, le gouvernement de Jacques Chirac, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, l'avait tenté, en 1986, donc, avec le ministre Alain de Vacquet, provoquant le mouvement massif d'étudiants que l'on connaît, le retrait du projet et la démission du ministre. Ce ne fut évidemment pas notre approche. Avec Claude Allègre, qui était à l'époque mon conseiller spécial pour l'éducation nationale et dont le rôle fut exceptionnellement fécond dans la conception et la construction d'Université 2000, ce que j'appellerais peut-être un Claude Allègre première manière, avec Claude Allègre, à qui je veux rendre cet hommage rétrospectif, faute d'avoir l'occasion d'en lui en rendre d'actuel, avec Claude Allègre donc, loin d'avoir une vision malthusienne, nous considérions que ce mouvement vers l'enseignement supérieur et les universités était fécond, était nécessaire, non seulement pour la société, mais aussi pour l'économie qui avait besoin d'une élévation du niveau des connaissances et d'un développement de la recherche. En outre, nous savions très bien que l'enseignement supérieur français, et c'était une originalité pas forcément positive, avait déjà des filières sélectives. Alors fallait-il en plus
mettre la sélection dans l'université. Et enfin, nous étions suffisamment avertis, si notre conception n'avait pas été celle-là, pour savoir qu'en tout état de cause, les étudiants, à nouveau, n'accepteraient pas une telle démarche. Nous avons donc fait un choix très différent. Non pas d'ajuster les flux des étudiants aux capacités réduites d'accueil, mais d'accroître les capacités d'accueil et d'encadrement autant que nous le pouvions pour faire face correctement à la demande croissante d'enseignement supérieur. Nous étions conscients que nous n'y parviendrions pas sans associer à notre réflexion et à l'effort nécessaire le maximum de partenaires régionaux et nationaux. Respectueux que nous étions de la haute fonction publique, et cela aussi miroite aujourd'hui, nous sommes passés pour lancer notre plan par les préfets et les recteurs qui, en particulier pour les seconds, ont joué un rôle tout à fait important. Mais nous nous sommes aussi adressés aux universités existantes et à leur personnel, aux collectivités territoriales, dont la très grande majorité a été très réceptive, même si peut-être la situation ici a été plus complexe, aux collectivités territoriales, aux établissements de recherche, il y en a ici de prestigieux, aux partenaires sociaux et bien sûr aux étudiants, pour poser dans chaque région les problèmes de la programmation et du développement universitaire à l'horizon 95-2000. Nous étions alors en 1989. Dans chaque région, une large discussion fut engagée, débouchant sur des assises régionales. La démarche s'acheva en juin 1990 par les assises nationales Université 2000 à la Sorbonne, auxquelles participèrent le Premier ministre et le Président de la République de l'époque. Les propositions ainsi émises à travers ce foisonnement, ces échanges, ces discussions ayant été examinées par le ministère de l'Éducation nationale, que je conduisais, et aussi par les experts de la DATAR qui devaient être associés, un document de synthèse fut élaboré en février 1991, le schéma national de développement des universités, dit Plan Université 2000. Je le présentai le 7 mai 1991 au Conseil des ministres pour décision. Trois questions étaient cruciales. D'abord, celle du nombre des étudiants. De 300 000 après la guerre, ils étaient passés à 700 000 au début des années 70. Nous en attendions 1 500 000 en 1992. La poursuite d'études supérieures était devenue à la fois un objectif social pour la majorité des Français et une nécessité économique face à la compétition mondiale. Alors que nous étions encore en retrait pour le nombre des étudiants, pour l'effort consacré à l'enseignement supérieur des États-Unis et du Japon, nous devions nous préparer à une université qui allait devenir celle du plus grand nombre. Il fallait élargir les capacités d'accueil. Ensuite, se posait la question de l'orientation des étudiants. En période de crise de l'emploi, c'était le cas, les filières réputées les plus sûres en matière de débouchés, les classes prépa, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les IUT, que je connaissais bien pour avoir été enseignant et directeur de département pendant 11 ans à l'IUT de Sceaux, les sections de techniciens supérieurs croulaient sous le nombre des bacheliers scientifiques ou des très bons bacheliers des autres filières. Cependant que les bacheliers G venaient surcharger les amphis de droit et de lettres. La sélection se faisait, elle se faisait de façon physique.
Notre réponse a été double. D'une part, nous avions décidé une forte progression des écoles d'ingénieurs et des IUT. D'autre part, nous avons engagé une professionnalisation plus marquée des universités elles-mêmes par la création des IUFM pour la formation des enseignants et par la création des instituts universitaires professionnalisés, les IUP, pour préparer les étudiants aux nouveaux métiers du secondaire et du tertiaire. Enfin, venait la question des autorités, c'est-à-dire au fond des collectivités qui seraient compétentes en matière d'enseignement supérieur, et liée à cette question des autorités compétentes, celle du financement. Sur la compétence en matière universitaire, beaucoup plaidaient, y compris au sein du gouvernement de Michel Rocard, et je me souviens notamment de la position du ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, beaucoup plaidaient pour donner aux régions la compétence universitaire. J'ai argumenté contre, au sein des instances de pouvoir, du président de la République en particulier, qui pouvait être tenté, et finalement au Conseil des ministres. Je refusais ce qui m'apparaissait comme un risque de balkanisation de l'enseignement supérieur. Je craignais aussi un danger pour des grands potentiels d'enseignement et de recherche. Je préférais que l'enseignement supérieur restât une mission nationale. Alors nous avons proposé en réponse, afin de prendre en compte les besoins, d'entendre tous les acteurs, et d'aller vers une démarche beaucoup et une gestion beaucoup moins centralisée de l'enseignement supérieur, une réponse qui était celle d'un partenariat systématique entre l'État et les collectivités locales. Les régions, bien sûr, mais aussi les départements, les villes et les agglomérations. La contractualisation est devenue à l'époque la règle pour les choix d'investissement, pour les localisations d'établissements, pour les grandes options d'enseignement et pour l'aménagement des campus. Sur le financement, la conséquence de nos choix était logique. L'État devait montrer clairement qu'il assumait ses responsabilités puisqu'il avait voulu garder la compétence en matière d'enseignement supérieur et il devait donc dégager les ressources budgétaires nécessaires à une vraie ambition universitaire. Le 23 mai 1990, le Conseil des ministres décidait de consacrer 16 milliards de francs supplémentaires au budget de l'enseignement supérieur consacré au plan d'aménagement et de développement universitaire pour la période 1991-1995. Quant aux collectivités locales, même si l'enseignement supérieur ne relevait pas de leurs compétences, mais parce qu'elles étaient le plus souvent fortement désireuses d'étoffer, parfois même tout simplement de créer sur leur territoire des pôles d'enseignement et de recherche, ces collectivités locales s'engageaient à nos côtés volontairement dans un véritable effort financier. Nous escomptions effectivement à cette époque qu'elles apporteraient 6 milliards de francs supplémentaires sur la même période. Leur rôle a donc été, je le dis globalement, considérable et nous devons leur en savoir gré. Il restait à définir comment nous allions répartir ces ressources supplémentaires. Nos options d'aménagement du territoire reposèrent sur deux objectifs : accueillir le nombre, garantir la qualité. Pour cela, la carte universitaire devait concilier et ajuster, d'une part, la polarisation associée aux exigences de la recherche, laquelle recherche est la garantie de la qualité du savoir et de son renouvellement,
et d'autre part la démocratisation réclamée sur l'ensemble du territoire national. Pour faire face à la vague étudiante, nous avons créé des IUT et des départements d'IUT. Nous avons délocalisé des premiers cycles universitaires. Nous avons affirmé des pôles de développement universitaire. Mais nous avons aussi créé 7 universités nouvelles, dont 4 en Île-de-France. Dans votre région, je dis votre région parce qu'à l'époque j'étais un élu de la région toulousaine, mais dans notre région, puisque j'y vis, la situation était la suivante. Elle comptait en 1991 325 000 étudiants, soit 28% des effectifs nationaux. Elle concentrait un peu plus de 40% des DEA et des formations de recherche. Or, 80 000 étudiants supplémentaires étaient attendus dans les 5 ans. L'effort à accomplir était donc considérable. Nous l'avons conduit dans 3 directions. Nous avons restructuré les universités de Paris-Centre, dites intramuros, en programmant la création de surfaces nouvelles. Nous avons renforcé les universités de la première couronne par l'achèvement des campus créés au début des années 70 à Nanterre, Saint-Denis, Créteil, Villetaneuse, Orsay et Sceaux. Mais un troisième volet nous est apparu comme indispensable pour régler le problème des capacités d'accueil à l'échelle de la région, c'était celui de la création d'universités nouvelles. Les créer, oui, mais les installer où ? Le débat a eu lieu. Nous avons écarté l'option dite périphérique, qui consistait à s'appuyer essentiellement sur les villes de la Grande Couronne du bassin parisien, Rouen, Amiens, Compiègne, Reims, Orléans, Tours ou Le Mans. Néanmoins, leurs universités ont continué à se développer normalement. Nous n'avons pas non plus voulu continuer la politique de dilution en banlieue d'établissements de taille réduite. Nous avons souhaité nous situer au plus près des flux observés et des attentes collectives qui se faisaient jour. C'est pourquoi nous avons décidé de concentrer les nouveaux programmes dans les villes nouvelles, celles que Paul Delouvrier avait envisagées dans son schéma de développement polycentrique de l'Île-de-France quelques décennies auparavant. La qualité des dessertes en transport en commun, des réserves foncières bien localisées, la préexistence, pas ici, semble-t-il, d'établissements d'enseignement supérieur justifiait pleinement ce choix. 4 universités nouvelles à Cergy-Pontoise, Évry, Marne-la-Vallée et Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ont donc été créées en juillet 1991. Elles étaient d'abord des antennes d'universités existantes, universités parisiennes, afin de recevoir, à partir de l'expérience et du potentiel de ces universités, une force motrice initiale. Puis, elles ont conquis leur autonomie et elles sont devenues progressivement, après une phase de statut dérogatoire, des universités à part entière. Dans l'organisation et les décisions qui ont été prises, souvent extrêmement rapides, un homme a joué un rôle essentiel à l'époque, c'était le secrétaire d'État aux grands travaux dans le gouvernement Rocard, Émile Biasini, qui nous a quittés il y a peu de mois et auquel je veux rendre ainsi hommage. C'est ainsi que fut créée, comme ses trois sœurs d'Île-de-France, l'université de Marne-la-Vallée, en 1991. Depuis, bien sûr, je l'ai constaté, celle-ci a pris son essor grâce à ses enseignants, ses chercheurs, ses personnels
On disait à mon époque hiatos, je ne sais pas si ça se dit toujours, c'est personnel de toutes sortes, ces cohortes successives d'étudiants. Je sais aussi que, en général, ces universités ont pu compter sur le soutien des collectivités locales. En tout cas, à vous tous qui êtes les animateurs de cette université, je voudrais dire à la fois ma gratitude et mon respect pour l'œuvre que vous avez accomplie. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour votre intervention et donc pour ce rappel historique important pour nous, puisque c'était quand même l'histoire de notre naissance que vous racontiez. Cher Christian Forestier, tu étais recteur de l'Académie de Créteil à l'époque. Peut-être peux-tu prolonger cette histoire ? Oui, en disant d'abord le plaisir que j'ai d'être parmi vous ce matin et d'être aux côtés de Lionel Jospin, parce que ça rappelle quand même des moments forts de ma vie professionnelle et voilà, et j'ai surtout le souvenir d'une belle aventure. Alors je ne sais pas si Lionel Jospin s'en souvient, mais c'est fin 88 qu'il m'annonce qu'il va me nommer recteur de l'Académie de Créteil, et quelques semaines auparavant, un homme que j'allais beaucoup apprécier, et pour qui j'ai une pensée aujourd'hui, Michel Alliot, était nommé recteur de Versailles. Et très vite, nous comprenons, au travers de discussions et avec le ministre et avec son conseiller spécial, Claude Allègre, donc, qu'on s'oriente vers la création d'universités nouvelles en Île-de-France. Pour appuyer ce que vient de nous rappeler Lionel Jospin, il faut se souvenir que nous voyons très vite que les rentrées sont quasiment infaisables sur le plan parisien, enfin sur le plan francilien. Je le dis devant le recteur actuel, à cette époque-là, donc à partir du mois de juillet, nous changeons de casquette. C'est-à-dire qu'au lieu d'être qu'il y ait un recteur de Paris, enfin de Paris, de Créteil, Versailles, il y avait un recteur qui s'occupait des sciences, un autre des lettres et un autre du droit. Parce qu'il fallait coordonner l'accueil des étudiants sur l'ensemble de l'Île-de-France. Et c'était particulièrement difficile. Non, il n'y a pas de président de l'époque qui est encore présent, qui se souvienne, il se souviendrait qu'on affectait d'autorité des paquets de 100 étudiants ici, 200 étudiants là. Le point le plus dur étant, vous le savez, les sciences techniques, activités physiques et sportives. Donc, très vite, il apparaît à Michel Alliot et à moi-même que le gouvernement, le ministre, vont prendre la décision de créer de nouvelles universités, de nouvelles implantations en Île-de-France. Alors, c'est assez marrant parce que nous avons, Michel Alliot et moi, des trajectoires totalement différentes. Mais moi, ça va me rappeler quelque chose puisque j'ai une carrière universitaire qui est extrêmement brève. Elle dure 15 ans, de 66 à 81. Mais elle se fait dans une université en pleine création, l'université de Saint-Étienne. Je suis assistant à l'IUT de Saint-Étienne quand celui-ci se crée en 66, et je vais accompagner la création de l'université de Saint-Étienne jusqu'en 81, dans des conditions qui n'ont rien à voir, je regarde Daniel Laurent, avec ce que sera la création de l'université de Marne-la-Vallée. Et Michel Alliot, lui, bien entendu, arrive avec toute son histoire. Il a été, je vous rappelle, directeur du cabinet d'Edgar Faure. Et il est aussi, quelque part, un des pères fondateurs, je crois qu'on peut le dire, de l'université Paris 7, Denis Diderot. Donc déjà, va se poser très vite le problème de savoir où seront ces universités. Jospin a raconté tout le processus qui va aboutir en 91 à la décision finale, mais vous doutez bien que tout ceci s'est pas décidé d'un claquement de doigts et qu'il y a eu tout le travail préalable. Nous rappelions tout à l'heure dans le couloir que les premiers étudiants en fait sont arrivés ici, je pense que Daniel Laurent va le rappeler tout à l'heure, en 89. Parce que déjà, il fallait, comme je disais, il fallait faire les rentrées. Et donc, alors comme antenne de Paris 7, bien sûr, hein, mais il fallait bien arriver à caser les étudiants. Alors, je ne résiste pas au plaisir de raconter l'anecdote que je rappelais tout à l'heure. Dans le fond, cette aventure de Marne-la-Vallée commence par une grande réconciliation. Une grande réconciliation puisque, voilà, on sait que les universités vont se créer, on a compris le mode opératoire, c'est-à-dire que des chargés de mission vont être désignés
par le ministre, des couples en fait. Il faut se souvenir qu'il y avait des couples, puisque à côté des charges et de mission, le ministre avait nommé président du conseil d'orientation. Et ici, c'était Yves Farge, qui venait de Péchiney, je crois. C'est ça. C'est aujourd'hui l'Académie des technologies. Ça commence par un coup de fil de Claude Allègre, dont je me souviens très bien, qui me dit, écoute, pour ce qui te concerne, on verra où on met cette université à l'Est, mais le chargé de mission, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas, c'est un prof d'informatique de Paris 7, c'est Daniel Laurent. Je raccroche, je me dis, moi je connais un prof d'informatique de Paris 7, Daniel Laurent, et si c'est le même, ça va être pittoresque. Parce qu'il faut se souvenir que Daniel donc, avait été au cabinet d'Alice Saunier-Saïté de 77 à 81, à une époque où moi, président de Saint-Étienne, et disons une université qui n'était pas très bien vue, il faut dire que pas la peine de développer, les rapports entre Daniel et moi avaient été, on va dire, virils. Et j'étais pas sûr, mais Daniel Laurent, informatique Paris 7, ça faisait quand même trois indices qui me laissaient penser que c'était sûrement celui avec qui j'avais eu des rapports extrêmement conflictuels quelques années, 10 ans plus tôt. Et effectivement, quelques jours après, Daniel Laurent m'appelle, très respectueux, puis le recteur, il faut que je vous rencontre, et tout de suite au téléphone, il me dit « oui, c'est bien moi ». Et donc nous déjeunons rue des Fossés-Saint-Bernard, et nous convenons que la roue a tourné. Et voilà. Et c'est plus qu'une collaboration qui a commencé. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a entre Daniel et moi des vrais liens d'amitié. Voilà, ça a commencé comme ça. Et donc, c'est une belle aventure. Mais les choses ne sont pas passées exactement comme nous aurions pu les rêver. Et vraiment, c'est très important le contexte qu'a rappelé Lionel Jospin. C'était la première fois depuis très longtemps, je ne sais même pas quand faut-il remonter en arrière, que des universités naissaient, je dirais, sur une initiative du gouvernement. Moi, je peux porter des témoignages. Je regarde William Marois, qui a été aussi président de l'université d'Orléans. Toutes ces universités nées au lendemain de 68, avant 68, il y a 14 villes universitaires en France, 14 ou 15, je ne me souviens plus. Puis au lendemain de 68, se créent donc Saint-Étienne, Reims, Rouen, Amiens, Valenciennes, Metz, Valenciennes. Ces universités se créent à l'époque sous la pression forte des collectivités territoriales. Alors là, moi, je peux vous dire que Saint-Étienne, et le changement de majorité politique à Saint-Étienne en 77, passage de Durafour à Sankt-Dolph, n'a rien changé. Il y avait la même volonté des collectivités territoriales. On veut une université. Les Lyonnais voyaient ça d'ailleurs d'un œil extrêmement réticent, mais c'était ça. Là, nous étions dans un contexte totalement différent, puisque c'était vraiment une décision du gouvernement. Et je ne veux pas contredire Lionel Jospin, il a raison. Dans beaucoup d'endroits, les collectivités territoriales ont joué le jeu, et moi, j'ai le souvir, j'enviais beaucoup Michel Alliot, parce que Michel Alliot avait, de la part de ces collectivités territoriales, et notamment, je pense, surtout au président du Conseil général du Val-d'Oise, en la personne du sénateur Lacheneau, quelqu'un qui avait le carnet de chèques à la main et qui vraiment faisait une très forte pression pour qu'il y ait une université à Cergy. Ici, les choses étaient totalement différentes. Ici, je me suis heurté rapidement à des réticences, pour ne pas dire quasiment une opposition de la part du département. Je devrais dire des départements, puisque vous le savez, ici, nous sommes à la jonction du département 93 et du 77, à l'époque, les majorités étaient sensiblement différentes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans les deux cas, on me faisait savoir que l'université, ce n'était pas la priorité. On voulait bien, à la rigueur, des IUT, mais certainement pas d'université. Et pour moi, c'était un vrai sujet de préoccupation, parce que, on savait ce qui se passait au niveau du ministère, du plan Université 2000. Bon, il y avait beaucoup d'argent que l'État mettait sur la table, mais une aide des collectivités locales n'était pas à négliger. Et globalement, sur l'Ouest, alors j'ai parlé de Lacheneau, bien sûr, qui était très porteur sur le dossier Cergy, mais très rapidement également du côté des Yvelines, les choses sont apaisées avec, c'était Brotra, je crois, qui était président du Conseil général. Dans l'Essonne, ça a été un peu plus compliqué au départ, mais il y avait quand même le poids de Jacques Guyard sur Évry qui faisait que les
les choses avançaient ici. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'avançait pas de ce côté-là. Et donc, Marne-la-Vallée est des quatre universités, celle qui est née, je dirais, avec le budget le plus faible, puisqu'il n'y avait que la part État et la part région, mais que l'apport du département était nul. Je reviendrai tout à l'heure parce que ça, les choses ont changé après, une dizaine d'années après, dans les conditions que je vais rappeler. Une des situations un peu paradoxales de l'Île-de-France, que n'a pas rappelé Lionel Jospin, mais c'est le chantier, c'est certainement dans le monde universitaire que le déséquilibre classique Est-Ouest était différent. Puisqu'en général, l'Ouest a toujours été mieux traité que l'Est, il se trouve qu'avant le plan Université 2000, il y avait deux universités à l'Ouest, Paris 10 et le plateau de Saclay, et Paris 11, et alors qu'il y en avait trois à l'Est, Paris 8, Paris 8, 13 et 12. Donc il était évident qu'il y aurait du rééquilibrage. C'était tout à fait inévitable. Mais moi je savais donc, et puis après très vite là, par la désignation de Daniel Laurent, qu'il y aurait une université à l'Est. Alors où serait-elle? Est-ce qu'elle serait aux confins de la Seine-Saint-Denis? Est-ce qu'elle serait dans le nord Seine-et-Marne, au milieu Seine-et-Marne? Il y a eu un peu d'hésitation au début. Tout à l'heure, on parlait, quelqu'un a joué un rôle important, c'est Poulipe qui dirigeait l'établissement public de Marne-la-Vallée et qui plaidait beaucoup pour l'implantation à Champs-sur-Marne, ou en tout cas sur la cité des cartes. Alors il avait un moyen pour nous convaincre les uns et les autres, c'était de nous faire survoler la zone en hélicoptère et pour nous montrer que c'était quand même là le... Alors qu'en plus, il y avait le côté festif de l'hélicoptère. Voilà, il nous a convaincus, il a fait ça à Daniel Laurent, il a fait ça à moi, et ceci étant, je crois qu'effectivement il avait raison. D'autant plus que la jonction des deux départements, 93-77, pouvait laisser espérer quand même que les deux collectivités territoriales mettent la main au porte-monnaie. Et comme d'ailleurs, ils parlaient d'IUT, on les appelait au mot, on a fait l'IUT. Et l'IUT, je ne sais pas si vous avez remarqué cette particularité, il est sur les deux départements. Et on s'était débrouillé pour qu'il y ait une entrée de chaque côté, en espérant d'ailleurs obtenir un chèque des deux. Ben, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Cette IUT aussi est née sans apport des collectivités territoriales. Et ce que je raconte est authentique. Hein. Daniel, on s'était dit, on va essayer un coup. On avait trouvé ce terrain. Hein, et on s'était dit, là, il y a peut-être un moyen de les prendre au mot. Ça n'a pas marché. Bon. Je rappelle ça parce que c'est quand même une situation très singulière. Moi, qui avais, dans toute ma carrière, je dirais, d'abord universitaire et ensuite en tant que recteur, et par la suite... Ce que je vais vivre en tant que directeur des enseignements supérieurs ou directeur de cabinet de ministre sera toujours de voir des collectivités territoriales friandes d'enseignement supérieur. Les derniers dossiers que j'ai eu arbitrés sous l'autorité de Lionel Jospin en tant que Premier ministre, c'était le problème de Toulouse, la cinquième université de Toulouse et puis de Nîmes. On a résisté à l'époque, mais la pression... Je pense qu'il s'en souvient, la pression était très forte pour créer ces universités. Bon, pour l'instant, là, à Toulouse, ça a résisté, mais vous avez vu qu'à Nîmes, et maintenant, à Nîmes, on parle même d'en faire deux, si j'ai bien compris, ce qui me laisse un petit peu perplexe. Donc, ce qui fait que moi, que quelques temps après, ça, je veux vraiment profiter de cette occasion pour remercier beaucoup Dominique Perrin. Donc, pardon... Mais fin 2002, moi, j'avais du temps. J'avais retrouvé un peu de temps libre, moi aussi, enfin, j'étais encore en activité. Et Dominique est venu me voir... J'ai deux fois demain. Et Dominique est venu me voir en disant, écoute, comme tu as du temps, est-ce que tu veux travailler pour nous? Moi, je dis volontiers. Donc j'en ai conclu que je n'avais pas laissé un mauvais souvenir ici en tant que recteur. Donc je suis venu, et puis très rapidement après, c'est Yves qui a pris la succession, et ils m'ont demandé un petit peu de réfléchir à comment conforter et développer cette université. C'était le moment pour moi de faire le point. Donc on était en gros une dizaine d'années, on était à mi-parcours. Je sais pas, le document existe toujours. Hein, j'ai tapé assez fort sur, effectivement, l'attitude que je trouvais un petit peu scandaleuse des collectivités territoriales, que je n'avais pas connue ailleurs. Et ça a marché, puisque après, je crois que le Conseil général a quand même changé de position.
y compris alors que le premier, celui qui était en place quand j'ai sorti le rapport, c'était de droite, ensuite il est passé à gauche. Là, il y a eu un changement d'attitude, parce que les gens avaient oublié ça. Les gens avaient oublié cette histoire-là. Qui a pris des formes extrêmement curieuses. À la fois, moi, j'ai le souvenir d'une opération extrêmement facile, et notamment parce que le travail avec Daniel était on ne peut plus facile. Les rapports avec le cabinet de Lionel Jospin étaient très faciles. Donc, vraiment, le travail fait par l'équipe de Biasini, c'est à cette époque-là, tiens, je le signale, c'était comme là que j'ai connu notre ami Alain Abécassis. Alain Abécassis était un des collaborateurs de Biasini, avec en charge particulièrement ce dossier universitaire. Donc, on avait le sentiment que la moindre difficulté, il y avait une espèce de rouleau compresseur qui avançait et que les choses allaient bien, sauf ce problème avec les collectivités territoriales. Et alors, le paradoxe, il y avait une collectivité territoriale, malheureusement sans le sou, qui aurait bien voulu avoir une université, c'était Melun-Sénart. Et Melun-Sénart avait un argument imparable. Il y a 5 villes nouvelles dans l'Île-de-France, donc il faut 5 universités, y compris à Melun-Sénart. Mais à l'époque, cette collectivité n'avait pas un sou. D'ailleurs, après, c'est comme ça qu'ils vont perdre, je pense, enfin, une des raisons qu'ils vont perdre le Grand Stade, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu, après la période université, il y a eu la période Grand Stade. Mais moi, j'étais en liaison, pas forcément avec le ministre, mais avec Claude Allègre, sur l'idée que de l'enseignement supérieur à Melun-Sénart, c'était pas absurde. Sud-Seine-et-Marne, puis on voyait bien qu'une fois que la décision avait été prise de casser du côté de Marne-la-Vallée, que Marne-la-Vallée avait été descendue en pleine expansion, mais pas forcément facile d'accès de partout, de toute la Seine-et-Marne. Le problème de Melun-Sénart, c'est que la collectivité territoriale n'avait pas le sou, et puis de certaine façon, c'est quand même extrêmement proche d'Évry. Il y a la Seine à traverser, c'est tout. Donc là, l'idée a commencé à germer dans plusieurs têtes. La mienne, celle de Michel Alliot, celle de Fayard, qui était l'équivalent de Daniel Laurent pour Évry, avec un regard sympathique et de la part du cabinet du ministre et de la part du maire d'Évry, notre ami Jacques Guyard, que, après tout, pourquoi ne pas faire une université Évry-Melun-Sénart ? Faire une université bipolaire. Ça se tenait. Alors, c'était compliqué, parce que pas même département, pas même académie, mais on aurait surmonté ça, d'autant plus que Paris 12 avait déjà une antenne à Évry, puisque l'IUT d'Évry, en fait, était un IUT de Paris 12. C'était la première localisation. Je ne suis pas sûr que je ne s'en souviens, mais il avait eu, pourtant, il avait quelques temps avant, il était venu visiter l'IUT d'Évry, et il avait eu la surprise de trouver devant lui deux recteurs, Michel Alliot et moi, il ne comprenait pas. Et on lui avait expliqué qu'il y avait le recteur territorial et le recteur chancelier, quoi, puisque on était sur le territoire de Michel Alliot, mais dans des établissements supérieurs qui dépendaient de Créteil. Et bien là aussi, alors que du côté de l'Essonne, on était prêt à partager le projet, disons, à faire une université Évry-Melun-Sénart, c'est les Seine-et-Marnais qui n'ont pas voulu. Alors, non seulement ils n'ont pas voulu sortir le carnet de chèques, mais ils ne voulaient pas d'une université qui n'aurait pas été purement Seine-et-Marnaise. Voilà comment ce qui nous a vraiment compliqué la vie. Et là, je ségrais à un autre Daniel Laurent. C'était curieux, parce que j'avais deux Daniel Laurent comme président. J'avais Daniel Laurent ici, qui était administrateur provisoire de cette antenne de Paris 7, d'abord, qui allait devenir cité Marne-la-Vallée. Et Paris 12 était dirigé, présidé par Daniel Laurent. Aussi, alors, je sais pas lequel des deux s'appelle Nicolas. C'était l'autre. C'est toi. Oui, Daniel Nicolas Laurent, qui a présidé la CPU aussi, et qui, donc, a accepté... gentiment, je veux dire, et même assez spontanément, je ne vois pas Simone là, mais je pourrais le redire devant elle, dit, bon, ben, alors que cette université de Paris 12 était une université qui était elle-même en développement, bon, qui avait eu des difficultés pour se développer. Alors c'est vrai que dans l'UGR de 2000, moi j'ai encore une photo que je revois très bien, que je suis à côté de Lionel Jospin quand on inaugure des nouveaux bâtiments sur la dalle.
Mais a priori, Paris 12 n'avait pas vocation à aller se développer dans la Seine-et-Marne. Mais Daniel Laurent a joué le jeu, et donc voilà comment est né l'enseignement supérieur à Melun-Sénart, comme antenne de Paris 12, l'IUT d'abord, le reste a suivi. Voilà, écoutez, moi ce que je peux dire, c'est que, bon, mais vous l'avez senti au travers des propos de Lionel Jospin, ces quatre universités étaient totalement indispensables. Je crois que ça a été une bonne chose de ne pas en faire une cinquième. L'histoire a prouvé que, d'ailleurs, pour l'instant, aucune des quatre n'est à 20 000. Hein. Je ne sais pas quelle est la plus grosse des quatre, on doit être à 12 000, 13 000, non ? Non ? Versailles-Saint-Quentin ? Versailles-Saint-Quentin doit être à 20 000 et quelques. Ah bon ? Ah bon ? Donc ils ont pas mal... Bon. Et puis, on voit bien aujourd'hui, dans le paysage aujourd'hui de recomposition, que si on avait des universités supplémentaires, je ne pense pas que ça serait un plus. Mais en tout cas, on a vraiment pu accueillir ces 80 000, parce que les 80 000 étudiants de plus, ils ont bien été là, ça je vous le garantis. Alors, ce qui n'a pas marché, mais je veux dire, on n'y est pour rien, personne n'est responsable de ça, c'est qu'en fait, dans l'idée de Lionel Jospin et de Claude Allègre, en gros, tout ce qui était étudiant nouveau devait se retrouver sur les quatre universités nouvelles, et a priori, il n'y aurait pas un étudiant de plus dans Paris intramuros. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça, les universités parisiennes ont continué à accueillir. Alors, c'est vrai que certains présidents d'universités de Paris intramuros aussi, il faut le dire, parce que c'est de l'histoire, rêver d'un fond d'avoir des universités à la périphérie qui auraient bien accueilli les premiers cycles, se réservant pour eux les seconds et troisièmes cycles. Bon, il a fallu aussi là, un peu jouer des coudes pour expliquer que les universités qui allaient se créer, ben, elles seraient complètes. Elles seraient complètes et ça ne serait pas uniquement des parkings préparant l'arrivée dans Paris intramuros. Et de ce point de vue-là, bon, aussi les habilitations au cabinet du ministre sont tombées sans aucune difficulté. Voilà ce que je pouvais raconter sur cette aventure, dire le plaisir qui a été le mien à cette époque, faire remarquer que après il n'y a plus rien eu, hein. Après il y a eu La Rochelle. Bon, Lionel Jospin a dit 4 en Ile-de-France, il a oublié. Alors les trois autres, c'était 2 dans le Nord-Pas-de-Calais, Artois et Littoral et Bretagne Sud. Et puis après, il y a eu La Rochelle, et puis terminé, alors il y a Nîmes. Bon, alors, c'est pas dramatique en soi. Ce qui est plus préoccupant aujourd'hui, c'est le fait que le nombre d'étudiants ne croît plus. Hein, c'est une sorte de plafond de verre. Le nombre de bacheliers ne croît plus. Le nombre d'étudiants ne croit plus, je l'ai rappelé le jour dans un colloque, et le rendement du système ne bouge plus. On continue à avoir 40% d'une génération qui est diplômée de l'enseignement supérieur, la moitié enseignement supérieur court, l'autre moitié enseignement supérieur long, on va dire la moitié IUT, BTS, etc., l'autre moitié licence et plus, que ce chiffre-là, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas bougé. Je suis persuadé que dans les semaines qui viennent, les candidats ou candidates à la présidence de la République vont ressortir l'objectif, qui est un bon objectif, de 50% d'une génération diplômée de l'enseignement supérieur. Tout le monde pense que ça... D'ailleurs, ça nous mettrait à peu près à la moyenne des pays comparables. Ça nous mettrait au niveau de nos amis britanniques, allemands, etc. On ne passera pas de 40% à 50% en claquant les doigts, même en 5 ans. C'est compliqué. Hein. Il faut jouer sur deux créneaux, quoi. Il faut à la fois plus de bacheliers et à la fois mieux faire réussir ceux qui rentrent. Sachant que ceux qui ont le plus de difficultés, Lionel Jospin y a fait allusion, c'était déjà le cas il y a 20 ans, ce sont les bacheliers technologiques et maintenant les bacheliers professionnels. Et que pour l'instant, j'ai l'impression que bon, il y a encore des marges de progrès possibles. Mais en tout cas, il faut se préparer à cet objectif de 50% d'une génération diplômée du supérieur. Donc ce qui veut dire que, et si on prend le département de la Seine-et-Marne, ce dont je m'étais rendu compte au moment où j'ai fait le rapport pour Dominique et pour Yves, c'est que c'est un département où le taux de poursuite des bacheliers est relativement faible. Ce
qui est paradoxal compte tenu qu'on est en Île-de-France. On a un taux de poursuite d'études des bacheliers cette année, en tout cas il y a 10 ans, qui était inférieur à ce qu'il était dans des départements, je dirais, ruraux de France, de la Calédonie, de Toulouse, par exemple, que ce soit le Gers, Marseille, etc., où le taux était bien plus élevé. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un avenir pour Marne-la-Vallée, hein, je le pense. L'après-midi sera consacré à la grande aventure du Press. Là-dessus, je n'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est que je crois pouvoir dire que je n'ai pas tout à fait innocent dans le rapprochement Paris 12-Marne-la-Vallée, à un moment où Paris 12 avait plutôt envie d'aller fricoter, comme on dit, du côté de Paris Sud. Et je pensais que. Je pensais que la place naturelle de Paris 12, c'était plus à l'est qu'au sud. Voilà. Si tu me permets, Christian, juste un ou deux commentaires. Tu dis qu'il fallait jouer les coudes pour les universités donc de la périphérie par rapport aux grandes parisiennes. Il faut toujours jouer les coudes. Parce que l'idée, quand même, je dirais, d'une espèce de partage du travail entre des grandes internationales scientifiques qui seraient au centre et puis les autres, est toujours dans certains esprits. Et de ce point de vue-là, j'attends, enfin, on n'attend pas, on lutte ici pour, dans le cadre du PIA et des projets qu'on dépose avec les projets d'IDEX, pour qu'effectivement nous soyons reconnus comme un pôle international. Et donc, bien qu'étant une université de la périphérie de l'Île-de-France. Donc cette affaire, il faut continuer à jouer des coudes. Hein. On n'a pas encore, je dirais, de ce point de vue-là, complètement gagné la partie. Peut-être une deuxième remarque, c'est qu'effectivement, par rapport aux remarques que tu faisais sur, dans un premier temps, au moment de la création, sur l'absence de l'acteur collectivité locale, il y avait quand même un acteur, un partenaire local qui était effectivement, tu l'as dit, l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, et donc, bien qu'étant pas une collectivité locale, était quand même un acteur local important, et donc effectivement a permis aussi que nous puissions avancer. Oui. Il n'avait pas l'argent. Je ne sais pas ce que tu veux dire par là, mais il n'avait pas l'argent. Mais je le devine. Il n'avait pas l'argent. Et puis, peut-être une troisième et dernière remarque sur les évolutions, effectivement, des effectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'ai tout à l'heure, je l'avais évoqué dans mon petite intervention liminaire, c'est que nous sommes, nous, université, confrontés, je dirais, à des concurrences de plus en plus sévères actuellement, écoles de commerce et autres. Personne ne veut lâcher ses STS, personne ne veut lâcher ses classes préparatoires, personne ne veut lâcher sa clientèle dans les écoles de commerce, ce qui fait qu'effectivement, les universités, de ce point de vue-là, se trouvent soumis, concernant les post-bac, à une concurrence extrêmement sévère, et que donc la question, c'est bien celle de la centralisation l'université dans ce système-là. Donc je pense que de ce point de vue-là, nous sommes encore dans une période où cette question est loin d'être réglée. Merci Christian. Daniel, je te cède la parole. Merci. Je voudrais tout d'abord situer mon intervention dans le contexte de ce qui a été présenté, et je puis témoigner de l'impulsion politique forte qui a été donnée par Lionel Jospin quand il était ministre de l'Éducation nationale sur le développement des universités. C'est une impulsion politique forte qui se traduisait effectivement par une vision, et également, c'est important parce que la vision c'est facile à exprimer, mais par un souci permanent de contrôler l'exécution. Et je puis témoigner dans cette création de l'Université de Marne-la-Vallée qu'on a toujours été soutenu au niveau de l'exécution, au niveau très concret. Alors je ne voudrais pas jouer ni aux vétérans ni à l'ancien combattant dans ce genre de présentation, mais simplement situer quelques jalons et puis tirer un certain nombre d'enseignements. Car dans la vision qui a été présentée tout à l'heure par Lionel Jospin, il y avait, quand on a créé les universités, surtout à partir de 1991, nous avons bénéficié d'un statut dérogatoire qui, en fait, préfigure et est même au cœur des débats aujourd'hui. Donc il anticipait sur les évolutions universitaires. Christian Forestier l'a rappelé, nous étions un couple, en fait. J'avais avec moi Yves Farge, qui était président d'un conseil d'orientation, qui était un véritable conseil d'orientation, et qui traduisait quand même une vision et une volonté politique de dire qu'en fait, l'université, ce n'était pas que les universitaires. Il y avait également la société et la nation à côté de l'université, et le conseil d'orientation traduisait, exprimait cette vision. Et il y avait à côté un conseil d'administration classique, et je puis témoigner que le fait d'être à deux,
avec un président du conseil d'orientation en dehors du système universitaire et un président exécutif que j'étais, ça nous a, je citerai quelques exemples où en jouant à deux, c'est comme dans les westerns, hein, il y a le bon et le méchant, et dans certains nombres de réunions, ça nous a permis de débloquer des dossiers très importants, ne serait-ce que par exemple celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, le bâtiment Copernic a une histoire, le bâtiment du bois de l'étang a également une histoire, et si nous n'avions pas eu cette dualité conseil d'orientation et conseil d'administration, eh bien, nous ne serions peut-être pas dans les mêmes locaux. Alors, c'était un point vraiment très important. Alors, les jalons, nous avons eu la chance quand l'initiative initiale relève de la présidente de Paris 7 de l'époque, qui était Nadine Forest. Alors, ce qui nous a quand même pas mal aidé, c'est que Claude Allègre était également issu de Paris 7. Et il y a eu une volonté politique pour que l'antenne de Paris 7, plutôt que le premier point de développement de l'université sur Marne-la-Vallée soit issu de Paris 7. Donc au départ, ça a été une antenne de Paris 7 et je retrouve dans la salle quelques-uns des pionniers. Bien sûr, Dominique Perrin qui était issu de Paris 7, j'ai aperçu Dominique Revus qui était déjà dans l'équipe initiale, Christian Bourret, Pierre-André Picon qui dort là mais qui est toujours très actif et qui sont issus de Paris 7, j'en oublie certainement. Donc au départ... Il y a Fabienne également, donc un petit noyau qui était issu de Paris 7, et nous avons démarré en 89 avec 200 étudiants, 120 en étudiants scientifiques et 80, je crois, en langue étrangère appliquée. Mais ce qui est intéressant, là, cette année-là, et tu en étais témoin, Christian, comme on a démarré en janvier 89, on n'avait rien. Aucun local ni rien. Et en l'affaire de 3 mois, le cabinet de Lionel Jospin a pu nous assister et traduire cette impulsion politique. On a pu acheter le bâtiment qui existe toujours, je crois, le Descartes 3 à côté du métro, 2 étages. En l'affaire de 2 mois, ça a été négocié et nous avons pu faire la rentrée. Donc il y avait une capacité de réaction très rapide et dès l'instant où on a eu des étudiants, on a existé. Et alors là, nous avons pu bénéficier des dérogations à fond et également, disons, on parle beaucoup d'autonomie, mais l'autonomie, c'est d'abord dans la tête et les comportements des universitaires, il faut être autonome, et également dans l'attitude des administrations centrales. Même aujourd'hui, l'administration centrale de l'enseignement supérieur, ils n'ont pas encore totalement compris que les universités étaient autonomes. Mais si dans la tête, on est déjà autonome, ça permet de faire beaucoup de choses. Donc, dès cet instant, on a fait le choix à la fois d'anticiper des formations à finalité professionnelle, d'où on a été une des universités de France qui a eu le plus grand nombre d'IUP quand vous avez créé. Immédiatement, on a obtenu un grand nombre d'IUP. On a fait le choix de l'apprentissage. Et parallèlement, c'est là où on a dû violer parfois l'administration centrale, mais avec l'appui total de votre cabinet, c'est à la fois demander des créations de premier cycle, mais également de DEA. On a eu conjointement des habilitations à des premiers cycles et des habilitations à des DEA. Alors je peux vous dire que ce n'était pas très évident vis-à-vis de l'administration traditionnelle où c'était très rationnel et séquencé. On passait premier cycle, deuxième cycle, et les DEA c'était 10 ans après. Hein. Donc là on les a obtenus très rapidement et en parallèle de telle sorte qu'on puisse attirer des collègues très talentueux qui pouvaient à la fois s'investir en premier cycle mais également en DEA pour privilégier la recherche. Donc ça c'est des détails mais qui sont très importants sur la structure de l'université, dont les stratégies d'insertion professionnelle, alors avec tout ce qui en découle, on a été un peu pirate sur un certain nombre de dossiers, on a récupéré des écoles d'ingénieurs, on a récupéré des CFA qui étaient plus ou moins en faillite et que nous avons redressé, on a joué avec Ingénieur 2000, on a joué sur toutes les panoplies qui existaient à l'époque, et moi j'ai la satisfaction quand je viens ici de voir que les écoles d'ingénieurs sont encore là, qu'elles se sont développées, on a joué sur les IUT, j'ai qu'un regret, et Christian doit l'avoir aussi, bien que oui c'était dans ton académie, c'est qu'à l'époque, quand on a créé les IUT de Marne-la-Vallée, on a créé à Meaux, mais personne ne me l'avait signalé, et je crois que toi non plus tu n'as pas eu l'idée, c'est de créer un pôle d'enseignement type IUT dans la zone Clichy-Montfermeil, ce qui aurait certainement amélioré la situation, car aujourd'hui c'est un désert en matière d'enseignement supérieur, et la situation est assez catastrophique. Et là, je regrette personnellement de ne pas avoir été informé, on n'a pas eu l'idée de créer, alors que c'est pas très loin, du moins à vol d'oiseau, pas par les transports en commun, mais c'est certainement, et ça c'est le problème parce que nous étions à l'intersection de plusieurs départements. Donc ça c'est un point. Alors au niveau des étudiants, je crois que ça se continue. Dès le départ, il y a eu une certaine convivialité en matière d'étudiantes, car on connaissait les étudiants.
étudiants. Nous avons démarré avec à très petite échelle, donc ça a permis de créer des comportements qui n'étaient pas du tout les comportements qu'on connaissait à Jussieu, hein, totalement différents. Alors les principaux jalons en matière d'aménagement, c'est vrai que nous n'avons pas été aidés par le tissu des élus locaux de l'environnement immédiat qui voyaient les étudiants comme des nuisances. Hein. Il faut bien moi j'ai eu des réunions avec des élus qui c'était vraiment très difficile, mais nous avons pu jouer en matière de les principaux jalons en matière de construction. Je tiens à rendre hommage également à Émile Biasini qui a piloté la partie construction d'une façon tout à fait remarquable. Et alors qu'on parle beaucoup d'autonomie encore aujourd'hui, à l'époque c'est l'université qui présidait les jurys qui ont permis la sélection des bâtiments financés par l'État, notamment le bâtiment dit des amphis, je ne sais pas comment vous l'appelez aujourd'hui, qui était avec les architectes sélectionnés, c'est Jourda et Perraudin qui sont des architectes d'envergure internationale. Nous avons pu avoir un concours d'architectes qui était présidé par, c'était moi-même qui le présidais, avec l'assistance d'un certain nombre de personnes, mais c'était vraiment révélateur. Je ne sais pas si ça se perpétue aujourd'hui, que quand il y a des... Alors il y a peu de construction, donc il y a peu de concours d'architectes, mais c'était quand même quelque chose de tout révélateur. Et les autres bâtiments ont une histoire, et c'est assez intéressant parce que ça montre le soutien que nous avons eu des gouvernements successifs, d'ailleurs. Hein. Le bois de l'étang où est installée la présidence, à l'origine, c'était une université catholique. Mais ce qui s'est passé en cours de route, c'est qu'au milieu de la construction, le promoteur a été plus ou moins un escroc, donc il y a eu un problème. Tout le monde était en faillite, à la fois le promoteur et surtout l'entreprise qui construisait. La région Île-de-France avait mis un peu d'argent là-dedans, donc ça risquait de poser quand même un problème politique. Et c'est là où, avec Yves Farge, on est allé voir, on a demandé un rendez-vous à Michel Giraud, qui était président du conseil régional. On a eu le rendez-vous le lendemain matin. Et en deux jours, la région Île-de-France a décidé d'acheter, de finir la construction. Donc ce qui nous a évité tout le parcours habituel d'appels d'offres, etc. Donc on a continué la construction. C'est la région qui l'a remis à disposition de l'université ou qui restait propriétaire. Je sais qu'on a eu à négocier également un problème de TVA où on a pu faire signer le ministre qui était à l'époque François Fillon, c'était en 94, a signé pour l'État prenait en charge la TVA, ce qui d'ailleurs n'a jamais été fait depuis, mais ça a permis de débloquer au niveau du conseil régional. Donc il y a le bâtiment en bulle également ici, et là aussi vous avez joué un rôle important, monsieur le Premier ministre, quand vous étiez Premier ministre, puisque la décision finale est intervenue en 96-97. La décision a été prise en 96, mais d'acheter ce bâtiment, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui a acheté ce bâtiment, mais cette décision a été fortement contestée par les élus locaux qui auraient souhaité qu'à la place de l'université s'installe ici une pépinière d'entreprise pour faire entrer évidemment de la taxe professionnelle. Et c'est votre gouvernement qui a maintenu la décision malgré les pressions politiques locales pour faire revenir sur la décision initiale. Donc voilà, ça, ce sont des jalons. Et les enseignements qu'on peut en tirer, c'est qu'il faut avoir des structures relativement souples qui permettent de réagir rapidement. Et le fait que, puisqu'il y a un débat actuellement, l'existence de conseils d'orientation, comme vous nous l'aviez non pas octroyé, mais on a pu bénéficier de ce statut. Personnellement, je me fais l'avocat de ce type de statut avec, d'une part, un conseil d'orientation présidé par une personnalité extérieure à l'université. Alors, Yves Farge était à la fois extérieur, mais il connaissait bien le milieu universitaire. Avant d'être directeur scientifique de Péchinet, il avait dirigé un laboratoire très important à Orsay, le LUR. Donc, il connaissait à la fois les us et coutumes universitaires. Il savait parfaitement interpréter les doubles langages et les codes. Donc, il n'y avait vraiment aucun problème avec lui. Mais quand on va pour des très gros dossiers, d'être à deux avec quelqu'un qui n'est pas totalement imbriqué dans la vie quotidienne universitaire, c'est un atout assez considérable, y compris vis-à-vis de la haute administration de l'Éducation nationale. Le fait d'être à deux, ça contribue à faciliter à la fois pour plaider les dossiers, on est beaucoup plus à l'aise et on est beaucoup plus légitime également vis-à-vis de cette haute administration. Donc ça, c'est un aspect important. Je le disais également, c'est le deuxième facteur d'autonomie, c'est le comportement de l'administration centrale. Et je dois dire que nous n'avons jamais eu aucun problème. Vous aviez
Claude Allègre, que vous avez cité tout à l'heure, qui était votre conseiller spécial, ont piloté cette affaire directement avec lui et avaient le comportement de Claude, que nous connaissions, nous, de Paris 7, très direct. On savait que si c'était oui, c'était oui, et si c'était non, c'était non. Mais ça, c'est très clair. Au moins, on savait à quoi s'en tenir. Et on n'était pas promené pendant, comme c'est parfois le cas, pendant des mois sur des décisions qui tardent à venir. Et avec votre cabinet à l'époque, on a pu avoir des réactions extrêmement rapides qui ont permis de faire progresser cette université. Donc voilà ce que je voulais dire, à la fois une vision, l'exécution, avoir des structures de management universitaire qui puissent être très réactives. Il faut évidemment une participation, des délibérations, mais il faut être capable de réagir rapidement. Et je crois que Marne-la-Vallée a gardé cet esprit de réaction. Simplement, en conclusion, ce que je voudrais dire, maintenant que je suis un acteur extérieur, Christian a évoqué le déséquilibre Est-Ouest en matière universitaire. Ce déséquilibre perdure non pas nécessairement en termes de démographie, mais en termes de communication et de lobbying. Aujourd'hui, on parle beaucoup du plateau de Saclay, du lobbying qui se fait à tous les niveaux sur ce plateau. On parle beaucoup moins de ce que vous avez fait, les nouvelles équipes sur Paris-Est. Et je pense, moi qui suis un acteur extérieur, je pense que Paris-Est devrait être un peu moins timide et s'inspirer de ce qui se fait au bon sens du terme sur le plateau de Saclay, parce que le plateau de Saclay, en réalité, quand on regarde de près, ils sont loin d'avoir votre organisation et d'avoir votre cohérence. Actuellement, c'est un véritable foutoir. Hein. Donc, le Paris-Est a intérêt à sortir de sa timidité en matière de communication, à faire du lobbying auprès du gouvernement et de toutes les instances dirigeantes pour faire en sorte que le pôle Paris-Est soit réellement équilibré avec ce qui se dessine sur Paris-Est. Donc là, il y a un vrai combat à mener. Et Christian a employé le terme en disant que c'était une belle aventure. Je peux témoigner personnellement, ce fut une aventure tout à fait exceptionnelle et je souhaite que ce soit encore une belle aventure pour ceux qui sont en charge de cet établissement et encore bravo pour ceux qui feront. Merci. Merci Daniel. J'ai juste un commentaire et puis je sais que Christian en a à faire et puis on passe la parole à Dominique Perrin tout de suite après. Moi, en t'écoutant Daniel et en vous écoutant et en t'écoutant Christian, ce qui me frappe quand même, c'est l'incroyable geste de volontarisme politique qu'il a fallu pour que cette université existe comme elle existe. Parce que le film le montre tout à l'heure. Enfin, on est quand même, je dirais, dans les bois et dans les champs. Il y a deux ou trois bâtiments lorsque, en 90, l'université se met en place, en 91. Donc effectivement, il faut vraiment avoir un talent de visionnaire et un volontarisme incroyable pour effectivement prendre cette décision et ensuite la mettre en application. Et donc en même temps, avec ce que vous avez rappelé, à savoir quand même, je dirais, une certaine suspicion des collectivités locales à l'époque. Donc là, il faut vraiment être doublement ou triplement volontariste pour y arriver. Je crois que tu l'as dit à la fin, il faut qu'on continue à faire preuve d'un grand volontarisme aussi. Parce que cette idée qu'il faut développer, je dirais, une Île-de-France équilibrée territorialement, c'est une idée qui n'est pas encore totalement, à mon avis, partagée par tous. Et je pense que de ce point de vue-là, on a encore un grand travail à faire. Et effectivement, tu nous invites au volontarisme. Message reçu, merci. Tu veux dire un petit mot avant que je passe la parole à Dominique ? 30 secondes seulement pour un point d'histoire sur Montfermeil. Il y a eu l'idée, effectivement, mais ce n'était pas possible à l'époque, Daniel. D'abord, on était sur le terrain de jeu de Paris 8, et pas de Marne-la-Vallée. Francine de Michel, qui présidait Paris 8, c'est la première fois qu'une présidente de l'université de Paris 8 veut des IUT. Jusqu'à présent, ses prédécesseurs n'en voulaient pas. Mais, bien entendu, compte tenu du contexte politique, l'IUT, il est né à Montreuil chez Jean-Pierre Brard, et à Tremblay chez Assancy. Et mettre un IUT à Montreuil alors que le maire était crypto Front National, pour ne pas dire carrément Front National. Montfermeil, oui, c'était Bernard. Hein. Je ne sais pas s'il s'en souvient, mais on avait eu pas mal d'ennuis. Enfin, moi, en tant que recteur, j'avais eu pas mal d'ennuis. Et c'était l'époque où il refusait d'inscrire des enfants d'origine étrangère dans les écoles. Donc, voilà. Aller mettre un IUT à l'époque, ça aurait été pas facile. Dominique Perrin. Très bien. Bon, je vais apporter un témoignage
de piéton par rapport à ceux qui précèdent. Moi, je suis venu ici au début à Marne-la-Vallée, en fait, avec l'occasion enthousiasmante de déménager une partie d'un labo de recherche qui était à Paris 7, en fait, à cheval sur Paris 6 et Paris 7, et avec mon ami Maurice Gross, on a dédié cet amphithéâtre à sa mémoire sous la présidence de Yves il y a quelques années. Nous avons fait le projet de tout déménager à Marne-la-Vallée avec l'idée qu'on aurait beaucoup d'opportunités de créer des choses nouvelles, de organiser les choses comme on l'entendait, de participer aussi de façon, dans des conditions beaucoup plus favorables à l'enseignement. Ça a été le début des créations des filières d'ingénieurs de l'université. Et c'est un pari qui a été réussi. Ce laboratoire, c'est aujourd'hui le laboratoire d'informatique Gaspard Monge. Marie-Pierre Béal est aujourd'hui la directrice, et donc qui est un des éléments du laboratoire d'excellence Bezou, dont nous nous félicitons de voir la création et l'inauguration dans quelques jours. À l'époque, pardon de raconter quelques souvenirs personnels, j'avais fait mes premières armes en politique universitaire comme vice-président recherche à l'université Paris 7 avec Nadine Foresque. Daniel a rappelé, et donc j'avais participé, en fait, j'étais missionné par la présidente pour participer aux discussions au nom de Paris 7 de création, en fait, l'université ici. Et donc j'étais venu à de nombreuses réunions à l'EPAMARN, dans le, je ne sais pas si ça s'appelait déjà la salle Pierre Carl, et je me souviens que c'était assez compliqué à l'époque parce qu'il y avait plusieurs projets en compétition. Il y avait un projet à l'époque, c'est amusant de voir ça sous le jour de maintenant, de Paris 12 qui donc à l'époque s'intéressait vivement à développement de l'université nouvelle et pensait que c'était un petit peu sur son territoire. Et puis il y avait par ailleurs un autre projet qui était un projet qui avait le soutien de tout ou partie de l'EPAMARN à l'époque, qui était le projet d'université régionale, qui était soutenu par le CNRS et par son président de l'époque, Maurice Papon. Il y avait même un projet de construction, et ça c'est assez curieux parce que c'est une construction qui n'est jamais faite et le terrain est toujours disponible, il se trouve en face de l'essier, mais dans les réunions auxquelles je participais à l'époque, ça semblait être le projet qui avait le vent en poupe et on ne donnait pas cher de notre projet à nous. Et puis il se trouve que en fait c'est le gouvernement qui a tranché, et donc pour une solution globale d'université nouvelle s'appuyant sur des universités du centre de Paris. Et donc Paris 7 et sa présidente, si je puis dire, s'est trouvée mère porteuse de la nouvelle université de Marne-la-Vallée, dans laquelle j'ai moi-même demandé, avec un certain nombre de collègues, dont Pierre-André et un certain nombre d'autres, Fabienne aussi à la même époque, nombre de collègues de Paris 7, de déménager et tenter par l'aventure donc d'un nouveau fonctionnement universitaire qui, comme Daniel l'a dit tout à l'heure, continue d'être un sujet d'actualité, puisque beaucoup des choses que nous essayons à l'époque de mettre en place ont trouvé un écho dans la réforme de la loi de liberté-responsabilité des universités. En fait, moi j'ai démarré comme administrateur provisoire, puisque Daniel avait démissionné, je ne vais pas le dire à sa place, mais en partie, en tout cas, pour protester contre le fait que les statuts dérogatoires de l'université avaient été abandonnés, donc n'avaient pas été prolongés, plus exactement. Et donc Daniel, à l'époque, avait gentiment, nous étions déjà liés depuis longtemps d'amitié, proposé ma candidature comme administrateur provisoire. Et si j'ai bien compris la réception que j'ai eue au cabinet de l'époque du ministre, qui était François Bayrou, ils étaient assez effarés de voir un chercheur qui n'avait absolument aucune expérience de politique universitaire s'engager là-dedans. Donc j'ai fait de mon mieux. On m'a demandé si j'avais déjà dirigé quelque chose. Je dis que j'étais pas sûr. Et j'ai eu la chance. Bon, ça c'est peut-être la chose la plus importante du fait qu'à Marne-la-Vallée, il y avait une espèce d'ambiance un peu magique de coopération et de volonté de faire avancer les choses. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir démarrer avec une équipe extrêmement
cohérente et soudée, dont plusieurs membres sont, sont ici. Il y a Fabienne, il y a Pierre-André. Il y avait Yves Lichtenberger qui était déjà dans l'équipe donc de la présidence de l'époque. Et donc, on a pu faire avancer un grand nombre de choses. On avait démarré, puisqu'en fait, ça c'est quelque chose qui n'a pas été rappelé tout à l'heure, mais dans le projet de création de Marne-la-Vallée, il y avait l'idée d'une université bipolaire avec le Val d'Europe. Ça avait été une des choses qui avait été envisagée depuis le début. Et les élus du Val d'Europe faisaient valoir que les promesses, de ce point de vue-là, n'avaient pas été tenues. Il faut dire que les effectifs étudiants qui étaient attendus étaient quand même inférieurs à ce qui avait été envisagé, puisqu'on avait prévu que Marne-la-Vallée aille rapidement un effectif de 20 000 étudiants. Et en fait, le ralentissement dont a parlé Christian Forestier tout à l'heure de l'évolution démographique a fait que, je ne sais pas combien on en est aujourd'hui, mais 11 000, on était à peu près dans ces eaux-là à cette époque où les élus du Val d'Europe réclamait qu'on développe de façon plus volontariste un pôle au Val d'Europe. On a quand même réussi à faire quelque chose puisque il s'est créé une unité qui maintenant est appelée à se développer au Val d'Europe avec une contribution des collectivités de ce secteur de la ville nouvelle. Et je confesse que moi aussi j'ai fait le coup de l'hélicoptère puisque à l'époque où il m'était revenu qu'à la direction des enseignements supérieurs, on disait que c'était très loin, que c'était une folie, que c'était au moins une demi-heure de route, etc. Et j'avais fait voyager Hugues Togade en hélicoptère pour lui montrer que c'était très rapide. Et elle avait gentiment dit que j'avais raison et que c'était pas si loin que ça. Donc ça s'était fait et maintenant donc c'est l'Institut francilien d'ingénierie et services qu'avait créé Daniel et que dirige Christian Bourret qui est installé là-bas et que, dont j'ai l'honneur de présider le conseil depuis quelques temps. Voilà, on a fait beaucoup de choses. Bien sûr, un des éléments très importants, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est le fait qu'on a eu la chance, une chance je crois unique en Île-de-France, d'avoir un campus dans lequel les différentes activités sont accessibles à pied. Je pense qu'il n'y a pas d'autre endroit en Île-de-France dans lequel ceci soit vrai, mais entre l'école des ponts, les CIE, l'école d'architecture, les bâtiments de l'université, la facilité d'organiser des réunions auxquelles les gens peuvent participer quasiment de façon impromptue, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel et je pense qu'il a été un des éléments facilitants de notre succès. Les années que j'ai passées comme président de Marne-la-Vallée, j'en garde le souvenir d'innombrables voyages en voiture avec Jean-Marie Leblanc, qui était mon chauffeur à l'époque, et que nous sommes devenus très amis, nous philosophions sur le monde et l'avenir des universités dans ces voyages en voiture. Nous avions trouvé un système pour... j'essayais de communiquer sur l'existence de l'université, qui était tout de même une entité nouvelle, et de me rendre à la plupart des invitations que nous recevions dans les ambassades ou les organismes officiels qui nous invitaient. Et donc on avait inventé un système avec Jean-Marie qui me permettrait d'entrer par l'entrée principale, de serrer toutes les mains des gens qui étaient à la réception, ensuite de ressortir immédiatement par derrière, ce qui permettait d'en faire plusieurs à la file, et de faire connaître l'université, de montrer que nous participions aux réceptions officielles de façon active. Lorsque j'ai fini mon mandat, il y avait à l'époque, je ne sais pas si ça dure toujours, une tradition à la CPU d'une cérémonie pour... rendre hommage aux présidents qui terminaient leur mandat. On m'avait proposé de réaliser un petit film. Mes collègues, il me semble que Yves Fabre avait fait quelque chose d'assez... de Paris 8 avait fait quelque chose d'assez tragique dans lequel il s'est fait filmer au jardin du Luxembourg épuisé sur une chaise en disant qu'il revenait du front. Et moi, j'avais eu la chance de pouvoir mettre la main sur mon neveu Édouard Baird avec qui j'ai fait un film, et pardon Yves, il joue le rôle de mon successeur, et j'ai l'impression que ça ne t'a pas porté tort, mais j'ai vu que la photo qui est donnée tout à l'heure, elle est extraite de moi, elle est extraite de ce petit film. Je vous en recommande d'en profiter, il est sur ma page web, ça s'appelle Les Présidents Autrement. Voilà. —
je constate, parce que Yves Lichtenberger m'a fait signe, on lui a également fait le coup l'hélicoptère, mais je suis le seul président qui, à qui on n'ait pas fait le coup l'hélicoptère. Ah bon, d'accord, comme direct. Bien. Vous non plus. Il faudrait, monsieur le recteur, qu'on nous fasse le coup l'hélicoptère quand même sur le secteur. Peut-être juste un commentaire sur quand même ce qui aussi, je pense, a fait la force de cette université, son histoire, c'est la grande continuité dans les politiques qui ont été menées depuis le premier administrateur provisoire. J'y pense parce qu'effectivement, il était dans les premiers projets de développer un pôle ici avec un second pôle sur Val d'Europe. Bon, ce projet Val d'Europe a été, je dirais, mis un certain temps en sommeil, et maintenant c'est un projet qui ressurgit. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons des projets de développement sur le Val d'Europe désormais. Bon, il faut finir ce campus, ça c'est le point important, parce qu'on a encore du travail, mais enfin ça y est, ce campus est en cours actuellement de finition. Enfin, dans les 2-3 ans qui viennent, ce campus sera, pour la partie université en tout cas, terminé. Mais effectivement, ce projet-là, maintenant, ressurgit, rebondit. Donc effectivement, on voit qu'il y a quand même de la continuité par rapport aux objectifs qui nous ont été fixés initialement. Donc, nous allons ensuite, effectivement, comme je vous l'avais indiqué précédemment, voir dans la table ronde suivante l'histoire de l'université, mais cette fois donc en liaison avec son territoire. Et donc, nous allons poursuivre, une fois évoqué, l'histoire de sa création, ce qui était effectivement l'objet de cette table ronde, voir son histoire dans les années qui vont suivre. Et puis ensuite, avec la présence de Yves Lichtenberger, donc, qui effectivement est le maillon manquant à cette table, qui est là et qui nous rejoindra cet après-midi, et qui donc a été le deuxième ou troisième, sur la manière dont on compte les choses, président, et donc qui est effectivement l'initiative de la création du Presse Université Paris-Est. Nous y reviendrons en début d'après-midi. Donc je vous propose donc de clore cette table ronde, et peut-être, monsieur le Premier ministre, avez-vous un mot à nous dire en conclusion? Non, je ne voudrais pas, en actualisant le propos, le politisé. D'autres aujourd'hui ont à s'en charger. Simplement, vous parliez de l'insuffisance peut-être de la communication autour de cette université pour la faire valoir, puisque vous vous chargez de la faire vivre. Et bon, parmi toutes les choses que j'ai recherchées, j'avais là ce qui est dit sur Marne-la-Vallée dans Wikipédia. Et je constatais que dans la chronologie des événements de la ville nouvelle, on évoquait bien des choses, des extensions de RER, des ouvertures du centre commercial, évidemment Disneyland, et même l'ouverture d'une sous-préfecture à Torcy. Je salue le sous-préfet. Mais pas en 1991, l'ouverture d'une université. Et ensuite, on peut chercher, et on trouve vraiment tout à la fin, après avoir eu des tas d'informations sur les RER et les heures de pointe, on trouve à la fin éducation, quelques petites allusions à l'université. Alors c'est quand même un média de masse, ça prouve qu'effectivement il ne faut pas simplement faire vivre, mais faire savoir et valoir. Et donc de ce point de vue, il y a encore du travail à faire.